de mer, Seigneur, oh mon Dieu. Seigneur, en train de mer, prends tout ce qui est de notre Seigneur. Fais de nous ce que tu fais, que nous puissions être pour ta gloire encore. Toi qui le changes.
dit ces paroles de l'écriture que vous entendez soit esprit et vie. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir la vie. Nous voulons recevoir, Seigneur, cette parole, oh Dieu, c'est la toute première, le premier repas, Seigneur, de l'année 2015, oh Dieu. Nous voulons recevoir la vie. La vie, rien que la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons recevoir de ta part l'information divine qui apporte la transformation, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Merci, notre Dieu, parce que tu nous parles. Merci parce que tu es agi. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Seigneur. Lève-nous mais encore dans sa présence. C'est la deuxième heure depuis que cette année a commencé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ailleurs, ils ont déjà célébré, ils sont en train de se réjouir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous ici, nous célébrons. Nous allons faire une longue lecture, au moins 20 versets. Alléluia. Amen. Et le message que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Incroyable mais vrai ». Alléluia. Tel est notre thème de cette année. Nous avons dit que cette année 2011, nous avons parlé par la foi, de la foi. Alléluia. Nous devons marcher par la foi, parler de la foi. Et bien aimé, rassurez-vous que Dieu ne ment pas. Amen.
Alléluia. Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité, sa parole est la vie. Dieu ne ment pas. Parce que je parle de la foi en 2015, eh bien, aujourd'hui c'est toi qui reçois cela, mais demain les gens vont te regarder et dire incroyable mais vrai. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin incroyable mais vrai. Oui, cette année c'est l'année de l'incroyable mais vrai. Alléluia. Ça ne sera pas un songe, ça ne sera pas un rêve, ça sera de la réalité. Incroyable mais vrai. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 41, versets 1 à 20. Nous allons parler, après avoir parlé, nous prenons la Sainte Seine et nous allons continuer à prier jusqu'à 4 heures du matin et là nous pouvons rentrer déjà à la maison. Ésaïe 41. Eh bien, le livre d'Ésaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Ésaïe 41, nous lisons tous les 20 versets. Je lis dans la version Les Semeurs. Tenez-vous en silence devant moi, vous les îles et les régions côtières, que les peuples lointains raniment leur courage, qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que le salut entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations? Et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise le peuple devant lui et son arc les disperse. Comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui les fait arriver? Qui appelle à la vie des générations d'hommes dès le commencement? Moi l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers. Oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et se sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis en sang à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement. Chacun dit à son frère, courage. Les fondeurs de l'idole encouragent l'orfèvre. Les polisseurs soutiennent celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure. Voilà du bon travail, et il la fixe avec des clous, afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, et que j'ai appelé des extrémités, toi qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte
et dans les déshonneurs. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus. Ceux qui te querellaient, ceux qui te faisaient la guerre, ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. J'ai saisi ta main droite, je t'ai dit, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, c'est lui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un traîneau de battage, tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les boyeras, tu les rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras et le vent les emportera. L'ouragan les dispersera, mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans les saints d'Israël. Les opprimés et les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je serai sourdre des rivières sur les sommes arides et jaillir des fontaines au milieu des vallées. Je transformerai les déserts en étang rempli d'eau. Les pays arides en sources jaillissantes. Je planterai dans les déserts le cèdre et l'acacia, le mitre et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe les cypres, les pins et les buis, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent et qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela. Que le Saint d'Israël en est le créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons du moins jusque-là à 20. Je disais tout à l'heure, incroyable mais vrai. Alléluia. Amen. Il y a déjà certaines choses que la Bible vient de nous décrire. Si dans un lieu aride, si dans un désert, Dieu dit qu'il va semer quelque chose, qu'il va planter quelque chose, des choses qui sont géographiquement incroyables. Mais bien aimé, cela trouve des explications, non seulement, non à cause d'un homme, mais à cause du Créateur. Incroyable, mais vrai. Tel est notre terme. Il nous arrive tous de nous exprimer de cette manière. Il nous arrive tous de parler de cette façon. Il nous arrive tous de dire à un certain moment de la vie, même un jour ou un autre, face à un événement, à la télévision, n'importe où, il nous arrive de dire incroyable mais vrai. Alléluia. Chaque mot bien-aimé dans le Seigneur trouve son sens dans le contexte où il est placé. Il trouve sa définition. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira aussi, pour donner une autre définition de la foi, quelqu'un peut dire, la foi c'est avoir sans avoir vu. Alléluia. C'est avoir sans avoir vu. Mais aujourd'hui, j'aimerais proposer une autre définition de la foi qui appuie ce que nous sommes en train de dire déjà ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais dire que la définition de la foi, c'est croire à l'impossible, croire à l'invisible pour toucher l'incroyable. Alléluia. Croire à l'impossible. Aller dans l'invisible pour toucher l'incroyable. Lorsque vous arrivez à toucher l'incroyable, c'est alors que tous ceux qui sont autour de vous, quand ils vont vous regarder, quand ils vont voir, quand ils vont observer et quand ils vont reconnaître que ça c'est la main de Dieu,
et diront incroyable mais vrai. Il y a une dame au Congo qui a passé des années qui ne faisait que pleurer. Dieu lui avait promis un mariage d'honneur. Alors celle-là, à un certain moment, elle était perdue. Et c'était finalement où serait la promesse de Dieu. C'est à 50 ans que le Seigneur l'a visitée. Alléluia. Avec tous les honneurs possibles. Bien aimé, tous ceux qui étaient de son quartier, les voisins, quand ils ont vu comment le Seigneur a honoré cette personne, tous disaient incroyable mais vrai. Voilà pourquoi en 2015, bien aimé, nous dirons et les gens diront de vous incroyable mais vrai. Amen. N'oubliez pas que nous disons ceci, Dieu ne vous bénira pas, bien aimé, membre de Shama Church, Dieu ne vous bénira pas selon l'ordre que vous êtes arrivé dans ce pays. Dieu vous bénit à cause de son amour. Dieu vous bénit à cause de la grâce qu'il a déposée sur vous. Peu importe le moment que vous êtes arrivé, peu importe la saison par laquelle vous êtes entré dans ce pays, quand Dieu se décide de vous bénir, il va vous bénir. La Bible dit, la bataille n'appartient pas au plus fort, ni la course au plus rapide, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Parce que Dieu n'est pas dans les temps, Dieu n'est pas non plus dans les circonstances. Il est au-dessus de toutes choses, il coordonne toutes choses, il aménage toutes choses. Il est Dieu qui peut aménager les choses en votre faveur afin que vous soyez bénis. Et ceux qui étaient avant vont vous regarder et dire et regarder ce que Dieu a fait de vous et dire incroyable, mais vrai. Cette personne venait d'arriver. D'où vient cette bénédiction? Elle vient de l'Éternel des armées. Celui qui a fait les créateurs, l'univers visible et invisible. Voilà pourquoi en 2015, plusieurs diront de vous, incroyable mais vrai. Ils vont s'étonner. Alléluia. Amen. Les jeunes David étaient négligés dans sa famille. Et la preuve, David s'occupait du bétail de son père. David s'occupait des troupeaux de son père. Alors que ses frères pouvaient aller jouer, pouvaient aller visiter leurs amis, mais David lui passait le temps dans la savane, en train de nourrir les troupeaux, en train de nourrir les moutons de son père. Et je ne sais pas les jours où ils égorgeaient cela, quel morceau on lui réservait. Alors que lui était le gardien. Pendant que ses frères avaient, c'est pas l'odeur d'un très bon parfum, quel que soit le nom que vous pouvez citer, mais lui avait l'odeur des moutons. Certainement, s'ils avaient des fêtes quelque part, les temps que David pouvait prendre pour se laver, eh bien, les autres étaient déjà prêts. Parce que lui devrait se rendre compte que l'odeur qu'il avait des moutons n'est plus. Alléluia. Négligé, bien sûr, par ses frères. Il ne participait pas aux activités que sa famille connaissait souvent. Parce que lui déjà avait une occupation. Il était quelque part oublié. Même lorsque Dieu a envoyé les prophètes dans leur maison pour oindre le roi, eh bien son père n'a même pas eu l'intention de chercher pour dire, écoutez, prophète, attendez avant que vous puissiez commencer la cérémonie, attendez que tous les enfants soient là. Les prophètes arrivent et disent, présentez-moi vos enfants. L'homme présente ses enfants sans celui-là. Parce que celui-là, c'était déjà quelqu'un qui était jeté dans la brousse, qu'on ne pouvait pas voir. Il avait déjà une occupation. Celui-là, c'était un petit berger. Les problèmes de la royauté ne les concernaient pas. Et quand les prophètes ont regardé, ils n'ont vu personne. Selon que la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Il n'a vu personne. Personne qui avait la charge en regardant le cœur de chacun. Dieu a vu l'égoïsme qui était dans chacun. Dieu a vu la peur. Dieu a vu comment son royaume serait entraîné dans la défaite à cause de ses grands frères de David, tous ceux qui étaient là. Parce que Dieu regardait au cœur, Dieu connaissant bien l'intention de ses petits. Le prophète a dit, eh bien, vous n'avez pas encore un autre. Alors, le père se souvient, dit, mais non, il y a le petit David qui est quelque part. Ils sont allés les chercher. Lui qui passait tout son temps à s'occuper des troupeaux de son père, il les nourrissait. Et il faisait cela tous les jours. Et pendant que ses frères allaient dans les activités, dans tout ce que ses frères étaient en train de faire,
dans leurs activités quotidiennes, eh bien c'est au même moment que le géant Goliath les menaçait. C'est au même moment qu'ils tremblaient. C'est au même moment quand David, lui, était dans la savane, il était dans la brousse quelque part, en train de s'occuper des moutons. Et bien, de l'autre côté, ses frères étaient devant Goliath en train de trembler. Parce que Goliath était en train de les insulter tous les jours. Il était en train de les menacer tous les jours. Les rois étaient menacés. L'armée même d'Israël était menacée. La famille, c'est-à-dire les grands frères de David et autres, étaient menacés. Tous étaient menacés par Goliath. Mais incroyable, mais vrai. Lui, David, qui n'avait jamais fait l'académie militaire, parce que Goliath était un expert. Alléluia. Ce que Goliath faisait comme bruit, écoutez mes amis, ce n'était pas du bruit inutile. Il était stratège dans les combats. Plusieurs personnes aujourd'hui manquent de stratégie. Mais Goliath a été bien équipé. Il était bien armé. Il connaissait les techniques de la guerre. Quand il se présentait, il disait, écoutez, si vous avez un homme plus fort, envoyez-le moi. Moi, je vais l'écraser. Il avait confiance en son art. Mais incroyable, mais vrai. Celui qui n'avait jamais fait l'académie militaire. Celui qui n'avait jamais été sur les champs de bataille. C'est celui-là qui a livré la tête de Goliath aux oiseaux. Et il a donné la victoire. Il a libéré toute une nation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David s'est présenté avec son arme, même Goliath s'est fâché. Les Philistins se sont fâchés. Même sa famille, tout le monde s'est étonné. Il dit, avec ce que cet homme a comme arme, toi tu viens seulement avec une petite pierre. Oui, une petite pierre qui était une arme stratégique, alléluia, et qui devait tuer ce géant. Lorsque le géant est tombé, tout le monde a dit, incroyable, mais vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu l'a fait avec David, il le fera aussi avec toi. Amen. Afin que tous ceux qui t'ont négligé disent, incroyable, mais vrai. Ce ne sont pas les armes que chacun peut avoir qui peut faire tomber les géants. Bien-aimé, c'est la main de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, afin qu'on sache que c'est la main droite de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un sans expérience, mais celui-là qui est arrivé à libérer une nation. Si j'étais là, je dirais aussi, mais incroyable, mais vrai. Parce que qui pouvait croire que Goliath tomberait? Avec tout ce qu'il avait comme force, avec tout ce qu'il avait comme stratégie, et même expérience de la guerre, qui pouvait croire? Incroyable, mes frères et sœurs, au temps de Jésus, deux adversaires politiques ne s'attendaient pas, Pilate et Hérode. Ces deux personnes ne s'attendaient pas. Ils s'opposaient l'un vis-à-vis de l'autre. Mais pour tuer Jésus, les deux ont fait coalition. Incroyable, mais vrai. Alléluia. Amen. Deux ennemis, deux opposants. Ils vont comploter pour la même cause. Du moins, deux opposants venaient de voir le même intérêt. Si l'un se sentait en danger par la présence de Jésus, l'autre aussi se sentait en danger. Alors ils se disent, finalement, mettons-nous d'accord, tuons-le. Incroyable, mais vrai. Mais voici la bonne nouvelle. Alors qu'eux s'étaient entendus pour tuer Jésus, ils disent, mettons fin à la vie de cet homme. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que Jésus n'était pas encore mort, il n'y aurait pas de pouvoir de la résurrection. Il a fallu que Jésus meure pour que la mort puisse perdre son pouvoir. Alléluia. Amen. Il a fallu que Jésus meure afin qu'il soit...